frères et sœurs, déjà vous salue très bien en vous disant assalamu alaikum. Nous continuons nos cours sur les rêves. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la clé vue en rêve. Qu'est-ce que cela signifie Selon les spécialistes chargés d'interpréter les rêves, la clé vue en rêve peut avoir plusieurs significations, parmi lesquelles, premièrement, si l'on se voit en rêve qu'on possède une ou des clés, cela peut signifier quelque part de l'enrichissement. Car la preuve est l'histoire de Qarun. C'était l'allié de Pharaon. Je ne parle pas de Haroun, le frère de Moussa. Allah nous décrit la richesse de Qarun à la Surah Al-Qasas, verset 76. Il nous dit. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd, de telle sorte qu'une bande de gens très forts avait du mal à les soulever. Deuxièmement, si un roi ou un souverain ou un chef voit en rêve qu'il possède les clés d'une ville, cela peut signifier un succès et une victoire sur ses ennemis. La preuve est la conquête. De la Mecque par le prophète Mohammed. Lorsqu'il conquit la Mecque, il est parti vers la Kaaba, qui était un symbole très fort de la Mecque, parce qu'il est au centre de la ville. Il demanda la clé de la Kaaba à un, à un homme qui s'appelait Ousmane ibn Talha. Et Allah nous parle de la conquête de la Mecque dans la surat an Nas, à Walfat, lorsque la victoire d'Allah arrive, ainsi que son secours, son secours ici, c'est la conquête de la Mecque. Troisièmement aussi, si on donne un rêve, une clé à un homme, cela peut signifier de l'aide financière envers ce monsieur, et si c'est un, si, si une femme, cela peut symboliser un mariage entre le rêveur et aussi cette femme. Allahu